Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'ai pas de quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hey, Cédric, regarde. Qui c'est celui-là? Monsieur Gontran a démordonné des Charentes du Ventoux, le père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non! Ça va pas? Ça fait un idiot de galasson de l'idiot de l'idiot! Cédric! Ralbot! Salut, Cédric! Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du chêne là-dessous. M'énerve ce Nicolas! Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, en voilà des façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même. Qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, tu peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé! Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, ouais, mais c'est pas pareil. Hmm? Entre ton père et moi, c'est autre chose. Il peut pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, grainant d'idiot. Papa? Ben mince alors! Il voulait un cheval, il en a un! Oh, mais tu es fou, Robert! Tu es complètement fou! Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien! Il ne sait même pas monter! Eh ben, il fera comme tout le monde, il apprendra! Il a dû coûter cher! Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi! À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture! Papa! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable! Ce coup-ci, papa y était allé carrément! Un cheval! Il m'avait acheté un cheval! Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et
qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen. Mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa ? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes ? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval ? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter ? Ouais, comment, hein ? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah, oh. Oh bah mince de mince. Ah oh bah dis donc, toi alors. Ils sont où? Les voilà. Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval? Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non, mais quelle truffe, ce Nicolas. Aide-moi. Christian, viens m'aider. Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas. Il veut pas. Avec une carotte, peut-être. C'est un cheval, c'est pas un âne. Andouille. Oh, si c'est ça, moi, je m'en vais. Aurait le bol de se faire insulter. Christian. Eh oh, Christian. Reviens. Christian. Pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène ? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre ? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons.
On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr. Il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'y suis rapidement tourné la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Oh, ne me lâche pas, hein. Mais non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachats, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime.